na bino nyonso balandi ya code 243 bobanda ki bongo kolanda biso depuis le lundi jusqu'aujourd'hui l'auto komi na 4e jour ya consultation du chef de l'État to banda ki bongo depuis lundi 2 novembre tozo koba toujours merci na ndenge boza toujours connecté ezala na page na biso Facebook ezala na chaîne na biso YouTube bozo landa ba intervention ya ba différentes délégations bozo landa ngo vraiment na bokebi nyonso na pesi bino merci na yango lelo chef de l'État akoyamba bongo délégation lelo za vraiment ébélété par rapport ya mikolo o outi koleka akoyamba bongo regroupement parlementaire ba honorable akoyamba bongo ba personnalité politique bozala toujours online pour na kolanda ba différentes interventions ya chaque délégation. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Nous ne sommes pas arrêtés uniquement au point précis, tout à fait uniquement de la coalition. Mais nous sommes allés au-delà, parce que tout est lié. Ce n'est pas du tout. Beaucoup de choses sont liées toujours. Hein. Bon, ça va. On en parle. Et pour être précis, à mon niveau, moi je ne peux pas me permettre de dire des phrases générales ou vagues, qu'on peut interpréter chacun à sa manière. Vous allez avoir la patience de m'entendre. Je vous lis simplement le communiqué de presse que j'ai préparé, qui sera complété par le document quand même qui contient tout à fait qui a été présenté au chef de l'État. Deux, trois petites pages. C'est plus utile, nécessairement, c'est plus utile, disons, pour pouvoir aider à aller de l'avant et pour pouvoir avoir des choses, avoir été bien précisées. Sinon, on ne sait pas très bien, c'est vague, c'est quoi, c'est bon. Alors voici le communiqué que j'ai préparé. On a les textes qu'on peut vous distribuer aux journalistes qui le veulent tout à l'heure. Mon secrétariat peut le faire. Voilà ce que dit le communiqué. Ce jeudi 5 novembre, j'ai été reçu en audience dans le cadre des consultations spéciales du chef de l'État qu'il a décidé de mener suite à son très important message adressé à la nation le 23 octobre 2020. Comme le porte l'indique la carte d'invitation du chef de l'État, j'ai été invité personnellement à l'audience à titre individuel de personnalité représentative. Et de fait, ce n'est ni officiellement en tant que membre de la haute hiérarchie ecclésiastique de notre pays, faisant partie de la CENCO, ni par ailleurs officiellement même en tant que tel, comme président des universités du Congo aujourd'hui, chancelier des universités. En fait, c'est dans la qualité de tout ce que je représente, c'est sûr, dans l'ensemble, que la confiance du chef de l'État m'a convié à être entendu en consultation. Je me suis fait accompagner, c'est l'ensemble des lecteurs de nos universités qui auraient pu m'accompagner, l'ensemble des chercheurs, des scientifiques, des professeurs, ben, cela n'est pas possible, mais je me suis fait accompagner par un représentant des universités, le recteur de Kinshasa se trouvant être indisponible, indisposé. Je me suis fait accompagner par le recteur de la deuxième université de notre pays, la troisième traditionnellement étant celle de Kisangani, par le recteur de l'UNILU, le professeur Kishiba Gilbert, ici présent, qui vous lira alors, je le demande, de lire le document que nous avons proposé au chef de l'État, qui indique des choses d'une manière un peu précise, comme il convient à des milieux universitaires, critiques, etc. Je me suis donc fait accompagner par le recteur, à défaut de l'être par plusieurs autres personnalités, surtout les deux autres présidents des conseils d'administration de notre enseignement universitaire, celui des instituts supérieurs techniques, le professeur
Mpeye Nestor ou le professeur Boura des instituts pédagogiques et d'autres institutions privées. Élément essentiel de l'audience. J'ai exprimé au chef de l'État notre appréciation, mon appréciation d'ensemble sur la teneur et les visées importantes de son message du 23 octobre. Face à l'état de la situation telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays. Je crois que c'est le message essentiel et que tout doit tourner autour de ça. Et si les autres dispositions qui sont prises sont des dispositions en vue de cette réalisation, c'est l'essentiel. Je viens de rappeler au chef de l'État que pour couronner notre système d'éducation, d'enseignement et d'agriculture, il faut maintenant que rapidement on puisse créer l'Académie congolaise des sciences. Et là, j'espère que le document est prêt. Ça, il faut le noter. Nous n'avons pas ça. Tous les pays ont ça. Au-delà de nos universités, nous avons des chercheurs, des scientifiques de tous les niveaux, des hommes de culture. Nous avons proposé une académie congolaise des sciences, lettres, arts et culture à cela. Des adéquations et des contreparties dans la qualité de la recherche, la qualité académique dans les universités. Et c'est alors qu'il a insisté sur un point important, compte tenu des potentialités générales que peut actualiser notre pays et mettre à la disposition de la croissance et d'un grand développement national soutenu, le moment paraît décisif pour parier une fois pour toutes sur la nécessité de décider une bonne fois à des budgets à la hauteur. Le budget pour 2020 étant déjà voté sur base d'études et d'analyses largement fondées d'experts, pourquoi ne pas envisager dès maintenant pour les trois années qui suivent le niveau d'au moins 15 milliards de dollars américains, et l'idéal étant de viser par la suite pour les années à venir un montant un peu plus imposant. Dans le cadre de nos universités et centres de recherche scientifique, un comité d'experts spécialisé pourra être mis à contribution sur la demande du chef de l'État et du gouvernement. Au cours de ces deux années, 2019-2020 en particulier, des constats parfois très alarmants ont été établis et publiés sur divers problèmes que connaissent les universités ainsi que l'ensemble de notre système éducatif. À notre tour, nous sollicitons, dit-il, du chef de l'État de prêter grande attention à ces observations et à y répondre et à faire face au mieux. La valeur de notre système universitaire, comme celui du socle de l'enseignement primaire et secondaire, ne sont pas à remettre en cause, même s'il faut les améliorer. Depuis même la période pré-indépendante ou coloniale, il est toujours parmi les mieux reconnus dans le monde. Pour l'enseignement supérieur universitaire, il est prévu le point sur l'état des lieux et des besoins dans un cadre à déterminer bientôt par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit bien entendu des états généraux sur l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. C'est des éléments importants que Monseigneur a présentés aussi et sur lesquels il insiste pour que bien entendu et on puisse rejoindre au plus tôt les contreparties en matière de qualité dans l'enseignement supérieur et universitaire.
public nous a reçus dans le cadre des consultations. Objectif évoqué dans son dernier message à la nation. Et nous avons été heureux de recevoir son invitation et de venir apporter notre contribution à la réflexion, à sa réflexion autour de ses objectifs en vue de ce que lui-même a appelé la possibilité de créer une union sacrée pour faire face aux problèmes importants tenant notre pays et qui mérite de trouver des solutions aussi importantes pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, aussi bien dans son introduction que dans notre petite contribution, nous n'avons pas évoqué la coalition. Nous considérons que c'est un problème en dehors des questions essentielles pour lesquelles il a appelé à la cause. Et comment appréciez-vous alors cet appel à l'Union sacrée? Nous sommes une partie de cette nation, aussi bien en tant que citoyens qu'en tant qu'organisation politique. Nous avons trouvé que l'appel du chef de l'État méritait de trouver un écho favorable, de manière à ce que nous puissions apporter ce que nous avons de proposition, parce que nous avons conscience que notre pays a des problèmes. On vit des situations de blocage, aussi bien en ce qui concerne les questions sécuritaires. Les sangs de nos compatriotes continuent de couler dans les régions de l'est du pays. Ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation qui doit laisser les Congolais insensibles où qu'ils se trouvent. Nous avons d'autres problèmes, notamment en rapport avec la santé de notre jeune démocratie. Nous avons connu une première alternance, mais ça crache. Donc, il vaut mieux qu'on s'y mette pour assurer à tout le monde la possibilité de jouir pleinement de ses droits et que notre pays ne soit pas un pays indexé sur les questions de non-respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Nous savons qu'en matière de consolidation de cette démocratie, il y a un immense chantier encore en ce qui concerne la question électorale. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut réformer la CENI. Lorsqu'une famille politique ou une coalition politique arrive au pouvoir, elle a le droit de gouverner parce qu'elle a gagné la majorité des suffrages auprès du peuple congolais. Elle a le droit de gouverner, mais elle n'a pas le droit de s'ériger et se donner une part de lion dans une structure appelée à arbitrer sur la question électorale. La CENI doit rassurer en tout temps tous les compétiteurs électoraux. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui proposent qu'on réfléchisse, qu'on mette en marche d'abord les réformes et puis désigne par la suite les animateurs, autant que possible de façon paritaire, en tout cas qu'on revoie ce qui peut être le rôle de la société civile et le rôle des forces politiques dans la CENI, de manière à rassurer tout le monde, à nous permettre d'aller aux élections, non pas seulement avec une mécanique électorale qui fonctionne bien, avec des urnes, avec des choses comme ça, mais également avec des cœurs et des esprits apaisés, parce que tout le monde est sûr que ce que le peuple congolais lui aura donné, personne ne lui prendra. Donc nous voulons ces réformes-là, et au-delà des questions liées à la sécurité et à la démocratie, nous avons également apporté une petite contribution sur la santé de notre économie et des questions sociales. Vous savez qu'on a l'habitude de dire à notre pays que nous avons une économie extravertie. C'est une manière pudique de dire que nous avons une économie dépendante. S'il y a des soubresauts dans les économies qui sont nos partenaires, ça finit par réjaillir sur la santé de notre monnaie, sur le pouvoir d'achat de population, sur les pénuries et ainsi de suite, sur le panier de la ménagerie. Nous estimons que cette situation ne peut plus continuer à durer. Hein? Dieu nous a donné, nous, la République démocratique du Congo, plus de potentialité, plus de ressources que tous les autres États en Afrique, considérés un à un. Il n'y a pas de raison que nous continuions à être un pays de misère. Notre pays devrait mettre ses enfants au travail de manière à valoriser nos ressources, de manière à rendre le sourire à tous et à chacun. Et au-delà de ce qui peut être le bien-être du peuple congolais, notre pays a des possibilités, a des potentialités pour être aussi une terre d'opportunités pour les autres Africains. Tous ces Africains qui vont se faire noyer dans la Méditerranée devraient trouver du travail dans ces pays parce qu'il y a des possibilités de leur faire ces offres-là si nous mettons ce que nous avons de potentiel en valeur. Donc c'est de ça que nous voulons. Nous ne voulons pas d'une nation à la traîne. Nous voulons que les Congolais se mettent debout, se remettent debout
et qu'on se remette au travail et qu'on valorise notre pays, que ce soit notre pays soit quelque chose qui nous permet de vivre heureux chez nous et de donner des opportunités à tous les peuples qui nous entourent et qui peuvent aimer venir s'installer ici. Biso to sepeli makasi na ndenge mokonzi mboka abengaki biso parce que zali ko rejoindre vision oyo biso moko to zali nango déjà to bengi la combolisation et outi na kombo oyo biso nyoso ba congolais to zanango na ndako na biso et na kati ya vision wana na point 3 to lobaka to senga unité nationale yango na mokonzi mboka sali yango lelo parce que période to zali nango lelo ezali ngonga ya peuple. Parce que Zali, slogan au bango bazali ko prôner durant 38 ans et lelo bazui bokonzi toza na besoin lelo que peuple a comprendre que Zali er ya peuple congolais atango na ye yango na pendant que mokonzi azo sala ba consultation awa na kati biso Marie José Ifoku présidente à l'Assemblée nationale a lancé ki mouvement moko abengi yango la combolisation en marche to banda ki avant même présence à la discours naïe pour naba oyo balanda ki biso ibala ya FCC na cash e kabwana parce que ezo lié sabana te ezo sunga biso te mboka eza ko avancer te bokonze za na mitumi balete ya mi baleto senga ki président a nommé gouvernement ya sika gouvernement oyo e ko préparer biso durant le 3 ans pour na selon biso to ke na renaissance mbotama ya sika ya Congo parce que brèche na peuple congolais pour na to ke de ko botisa Congo ya sika donc le président de la République a voulu recevoir des anciens candidats et qui chacun avait son projet, son programme. Et donc, nous ne partageons pas toujours les mêmes vues. Et je peux vous assurer que chacun de nous a pu s'exprimer librement, peut-être pendant 5-10 minutes, devant le président de la République, qui a écouté chacun de nous. Ça a été quelque chose de formidable. En ce qui me concerne, vous savez qui je suis Cash. Je suis l'un de ceux qui fait partie du CASH. J'ai adhéré à CASH. Donc, je partage parfaitement le discours du président de la République. Je peux vous assurer que, de toute façon, tous ces candidats partagent le discours du président de la République. Et donc, veulent qu'il y ait un grand changement parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, finalement, d'où vient cette crise des élections? C'est bien ce que j'ai voulu dire au président de la République. Je lui ai dit. Les élections ont été parfaites en ce qui concerne la présidentielle. Parce qu'une élection a lieu. Elle est légitime lorsqu'elle apporte la paix. Or, la présidentielle a apporté la paix. Mais en ce qui concerne le législatif, vous savez très bien qu'il y a eu, des choses qui ne sont pas acceptables. Parlant par exemple du Bandundu, du Kwilu, vous avez été le jour de la proclamation des législatives. Je pense que c'est la salle qui a hurlé. Parce que cette proclamation de la province du Bandundu et de ma circonscription a été faite de manière quelconque. Tout le monde le sait. Ça a même été filmé. Vous avez des documents là-dessus. Voilà. Donc on est parti de celle-là, du fait qu'un président de la République a gagné une élection, mais qui se retrouve face à une majorité parlementaire qui est quelconque, qui a été fabriquée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On devrait s'attendre forcément à la crise qui a lieu aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un régime qui est un régime semi-présidentiel, et donc en fait un régime parlementaire. Et le président de la République ne partage pas la même vision avec le Parlement. Nous sommes en crise en fait. Comment faire? Bon, chacun de nous a remis un mémo au président de la République. Et effectivement, il ne nous appartient pas de révéler le contenu de ces mémos. Moi, je remis les miens, je le garde pour moi. Si le président de la République veut le publier, il le publiera et je ne vous dirai pas plus. Merci monsieur à vous. Monsieur Seth, oui, chacun vient avec sa solution. Chacun vient avec sa solution. Et je pense que le président de la République est en train de consulter tout le monde. Et il a dit qu'à l'issue de ces consultations, il fera, comment dirais-je, une synthèse qu'il viendra présenter à la population congolaise, à la nation. Soyez-en rassurés, j'ai été moi-même. Je n'ai pas mâché mes mots. Ça s'est passé dans un environnement de convivialité. Et j'ai fait de mon mieux pour dire au président de la République ce que je pense au plus profond de moi, ce que je dis sur les réseaux sociaux et ce que je partage comme conviction dans les médias de la place. C'est vrai que je ne dévoilerai pas tous les contenus de notre conversation parce que le président de la République
doit réfléchir sur ce que nous avons dit, sur nos avis. Mais le message principal que vous devez retenir est que je lui ai dit que nous sommes 100 millions de Congolais. Et que lorsque les gens partagent le même environnement, ils réfléchissent presque tous de la même manière. Mais il y a une différence entre nous et lui en tant que président de la République. Lui dispose de l'information. L'information que nous n'avons pas. Et en prenant sa décision, il doit tenir compte de cette information. Il doit aussi penser à la stabilité du pays. Parce qu'à la fin, je suis entrepreneur. Et l'économie du pays fonctionne lorsqu'il y a stabilité. J'ai insisté sur la stabilité, que la décision qu'il prendra à la fin de ces consultations puisse être d'abord constitutionnelle et qu'il puisse s'assurer que la stabilité à l'intérieur du pays sera maintenue. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à jambes, le mieux, c'est de se séparer. Parce que à la fin de l'exercice de ces 5 ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple et non le FCC. Et la relation entre FCC et Cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs millions, milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous. Nous devons les mettre barrage. Parce que le peuple qui a élu le chef de l'État s'attend à un résultat. Le social, la situation politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout en République démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse vivre la paix. Mais je crois que même le chef de l'État lui-même, c'est fini cette histoire-là de coalition. Parce qu'il vous a dit dans son message, il a répété. Donc pour moi, c'est fini cette relation. Alors maintenant, il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans, n'est-ce pas? Alors s'il va laisser les autres là, des FCC qui querolent partout, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous. Ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix, nous autres, nous sommes un peu une petite minorité. Mais c'est le peuple qui est majoritaire dans cette affaire. Donc le président, nous l'avons mis devant ses propres responsabilités. Il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer son pouvoir, parce que je sais que les difficiles, les négociants disent non, le président ne peut pas dissoudre le Parlement tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre le Premier ministre, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi, le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce sont les oiseaux de même plumage. Mais lui doit se définir pour chasser ces gens, comme ça, vous allez vivre la paix. Dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, des services de télécommunications. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme il se doit. La gratuité de l'enseignement, même si elle a été décrétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres 2 ans après la mise en place donc, de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-CACH. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut, et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle donc Union Sacrée, c'est une position que nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre donc en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchagne pour la reconstruction et le développement de la RDC qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la Covid-19,
et que nous pensons que s'il est mis en œuvre ce plan Marshall, pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement, ces institutions semblent ne pas fonctionner comme il se doit. Nous avons fait allusion donc au travail qui est fait par l'Inspection générale des finances, qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions, et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement, mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle donc l'Union sacrée. Pourquoi ? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la République est exclu, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays. Pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre-là, créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement donc du pays. Et nous avons évoqué plusieurs options, notamment la possibilité pour le président de la République de désigner un informateur qui puisse d'abord, au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui, se poser la question de savoir qui veut adhérer à l'Union sacrée. S'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas besoin de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si on n'arrive pas à trouver cette option-là de réunir une nouvelle assemblée, une nouvelle majorité autour du président de la République, je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là d'envisager donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis le conseil du juge à la Cour constitutionnelle Oboulou, Jean Oboulou et Noël Kilomba. J'ai posé des actes d'avocat, j'ai écrit au président de la République, j'ai même sollicité de la rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel. On m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la République et on m'a fait parvenir l'invitation. Et je suis venu. J'ai été reçu par le président de la République avec les autres candidats qui constituaient avec moi les collectifs des candidats. Chacun a pu parler au président de la République. Mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par le président de la République avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire, qui constituent des secrets d'État. Mais permettez-moi de vous assurer que j'ai posé la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne mes clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de le dire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients que je réclame soient respectés. Un juge à la Cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République, lorsqu'il est nommé juge à la Cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du Conseil supérieur de la magistrature, il a 8 jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la Cour constitutionnelle. Donc, dire que mes clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la Cour n'est pas conforme au droit. Ce qui est conforme au droit, c'est que quand, en ce qui concerne mes clients, ils ont été nommés, alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction des magistrats et celle des juges à la Cour constitutionnelle, et ce délai est de 8 jours. Après cela, un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la Cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon, suite au renouvellement de la Cour par tirage au sort. J'ai échangé avec le président de la République à ce sujet. Donc, cela revient à dire qu'en réalité, les juges à la Cour constitutionnelle, Jean Oboulou et Noël Kilomba, ont été écartés de la Cour en violation de la Constitution. Le président de la République m'a dit
qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la Cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant 2 ans. On reste juge à la Cour constitutionnelle pendant 2 ans. Donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. La Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel, parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections, au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc, cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre les CACH et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'IDPS faire cette alliance-là. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit « Tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. » J'ai même donné cette idée au président public de Josué, qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites, mais qui l'a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord s'en prendre aux Gabaonites, Dieu a puni Israël. Le président de la République m'a répondu tout de suite, il m'a dit, parce que je lui ai dit que il a cette réalité juridique et politique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Les échanges que nous avons eus, c'est en rapport justement avec les consultations qui sont menées par le chef de l'État. Donc, je ne saurais pas m'étendre sur ce que nous nous sommes dit, à part le fait que j'ai donné mon accord de pouvoir contribuer, participer à l'exercice qui se fait maintenant dans le sens d'apporter ce que peut être ma contribution. Je salue l'initiative et que je suis disponible pour apporter la part que je peux apporter. Quelle est cette part? Ah non, mais vous savez, nous avons un pays dont vous savez vous-même dans quel état il se trouve. Il y a quelques problèmes, tout n'est pas mal, tout n'est pas non plus rose. On a besoin de bras, de mains, des esprits pour essayer de relancer la machine, contribuer à ce que les choses aillent de l'avant pour l'intérêt du plus grand nombre. Donc nous devons vite nous mettre en place, nous mettre dans l'esprit qu'il y a un travail à faire. Nous devons courir lorsque les autres marchent parce qu'on affiche un terrible retard.